Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous entrons pour une nouvelle vidéo de Guild Wars 2 End of Dragon. Et il est temps de continuer cette extension. Pour ce faire, nous allons devoir aller jusqu'ici. Attraper une araignée. C'est parti. Alors, c'est où? Plus haut peut-être? En tout cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, l'abonnement, le commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Bleu. Continue à chercher. Les trucs comme ça, en montée comme ça, ça me rappelle pas mal certains événements qu'il y a eu, entre autres avec... Alors, comment ça s'appelle encore Bon, je pense qu'il y a plus, je pense pas très grave. Équitable. Si bienvenue au village de Bovry. Je finissais justement de faire la visite à vos amis. Non seulement du concours. Apparemment, nous sommes les premiers Azura et Draguer à être invités dans ce village. Les règles oui, sont c'est un grand honneur. On devrait peut-être essayer de toucher bien. Les cibles. Commandant, le transpondeur que les Kestrels ont trouvé, c'est bizarre, mais il avait son propre réseau. Ça reste quand même une technologie des éternels. Si vous suivez mon cours, vous allez concourir. Il a commencé à émettre son signal. Le pilote a dû prendre peur et le jeter par-dessus bord. Allez, c'est pour ça qu'on l'a trouvé. Il semble que le transpondeur communique toujours avec l'aéronef. Commencer. Le signal est faible, mais il pointe vers l'espoir de Melandrou. Dans ce cas, je vais devoir aller nous dégoter un aéronef à l'espoir de Melandrou. Beau travail, tous les deux. En tout cas, quand tu es en train de faire l'histoire et qu'il y a certains événements qui sont en cours à côté, ça devient compliqué d'entendre ce qui se passe. Je trouve que ça reste quand même un point faible du jeu. Je ne sais pas pour vous. Pour tomber, j'ai ATP tout près. Et la zone à ratisser est assez large. Donc on se retrouve quand j'aurai trouvé l'aéronef repéré par près de l'espoir de Melandrou. Que c'est bon. Il vient d'y avoir un léger pic de puissance du signal. D'après moi, vous approchez. Alors, soit c'est plus haut que possible. On n'a pas déjà effectué 3 études ici dernièrement? Les fuites de la décharge restent à un niveau acceptable. Ça pourrait changer à tout moment. On ignore presque tous les effets de la technologie de Jade sur l'environnement. En plus, avec toutes ces histoires de technologie corrompue, on n'est jamais trop prudent. C'est vrai. Et puis ça fait toujours du bien de quitter le bureau. Ça évite de découvrir que quelqu'un a déjà mangé ton repas à l'heure du déjeuner. Ça arrive encore? Quelqu'un doit avoir une... Non, c'est pas... ce qui nous intéresse. Je sais pas si je peux grimper par ici. Peut-être un raccourci. Bon, jamais. Dis, pourquoi tu descends? Mais non, arrête! Ne fais pas ça! Bon, j'essaie de trouver comment trouver la zone. Mais va falloir la trouver, c'est tout. Ah! Il y a une pointe du signal, commandant. Vous devez être juste au-dessus de la source. Eh bien, il y a une porte bizarre juste voilà. En face de moi. Vous c'est êtes ça. Sûr que c'est ça? Le signal est formel. Regardez à l'intérieur. Bon bah. Ouvrez la porte pour chercher d'où vient le signal. En effet, on a droit à bel aéronef. Un bel aéronef. Je suis entré et il y a un aéronef. Il porte des marques des éterlames. Je vous tiens au courant. Secrète. Des fêtards. Capitaine, il y a une intrusion. Préparez les défenses du pont. On n'a pas de défense sur le pont. Et c'est moi qui donne les ordres ici. Annulez cet ordre, capitaine. On a un vieil ami qui monte à bord. Je me demandais quand vous montreriez, commandant. Entrez, on va prendre un verre. Il n'y a plus rien à boire. Bonjour, Kanak. Kanak. Je suppose qu'il y a une raison à votre présence ici. Oui, une bonne raison. Commandant, vous avez sous les yeux le plus grand club privé volant pour flambeurs VIP avec restaurant gastronomique dans le monde. Hélas, on manque de place et de volonté pour s'agrandir. Il dit ça comme si c'était ma faute. Bon, pour être honnête, c'est un autre sujet qui m'amène. La capitaine Trin des Éterlames a été assassinée par sa seconde, Anka. Et Anka veut cet aéronef.
Elle peut faire la queue. Je veux la laisser penser qu'elle peut doubler tout le monde. Nous n'arrivons pas à la surprendre. Il faut que ça change. Nous utiliser comme appât pour attirer cette pirate meurtrière. Vous voyez, c'est pour ça que vous me manquez, commandant. Qu'est-ce qu'on aurait à gagner dans ce pacte suicidaire que vous nous proposez? En tant que sauveur de Kanta, Cass pourrait obtenir à bon prix un site pour le club privé de Kanak. Ailleurs que sur mon aéronef? Pas la Fini. Peine s'emballer. Bon, on veut bien jouer les appâts, commandant? Limite, je crois pas que c'est fini qu'elle a dit. Je crois que c'est deal, un truc dans le genre. ensuite, quitter la RNF, aller voir votre équipe. Sérieusement? À moins que l'équipe en elle-même soit arrivée jusqu'ici. Bonne idée, commandant. Nous pourrons tendre un piège à Anka, là où cet aéronef s'amarre. Elle ne se laissera pas capturer sans résister. Elle ne se laissera pas capturer sans résister. Il faudrait choisir l'endroit de manière à limiter les blessés. Tout seul, la case de Xonai Jade, juste au centre des Kovald. Ça devrait être assez calme. Je pourrais envoyer un faux message sur leur réseau de communication. Je travaille sur un relais. Mais oui, Anka l'entendra forcément. Et si elle sait qu'il n'y a pas de défense, elle risque de se montrer présomptueuse. Du moins, suffisamment pour emporter l'extracteur afin de s'échapper rapidement. Ok. Message envoyé et reçu. Joli travail, Ivan. Revenez tous à l'aéronef et nous l'escorterons jusqu'à la décharge. Ivan est en route. Je doute que ce soit une bonne idée. Si j'arrive à prendre le contrôle de votre forge à photons, Anka le peut aussi. Vous pourrez suivre les discussions des Eterlam depuis Pierre Arborea, Ivan. Vous serez nos yeux et nos oreilles. Oh, très bien. Mais promettez-moi qu'elle ne s'échappera pas. Elle ne s'échappera pas. On va plutôt essayer qu'elle ne s'échappe pas, c'est pas la même chose. Et... terminé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bah, le truc qu'on a eu, ok. Et ça, le point de maîtrise. Parfait. Se rendre à l'aéronef. Bah, c'est juste là, vous allez me dire. Ça va. Je crois que c'est pas trop loin. L'appel du vide. Ah! Une fois qu'on aura fait l'appel du vide... C'est le fameux truc ici, justement, qui demandait justement de faire l'appel du vide. Ok. Allez hop. Ouh, joli. Je crois qu'Anka va se révéler problématique. N'oubliez pas que l'objectif est de l'arrêter. J'ai l'impression si on de faire Anka et son extracteur devant le ministre Lee. On prouvera notre innocence. Et on pourra ensuite se servir de l'extracteur pour drainer le vide de Suwon. Écoutez, Anka, nous ne pouvons pas. Elle est trop dangereuse, vous comprenez? Oui, mais elle ne nous laisse pas tellement le choix. Et cet extracteur est notre meilleure chance de sauver Suwon. Ayumi, vous voyez quelque chose? Non. Vous croyez que je le garderais pour moi si c'était le cas? Ah, ça fait plaisir de tous vous voir d'aussi bonne humeur. Elle nous a menti! Elle m'a menti! Enlevée, menacée, c'est un monstre! Pas la peine de nous convaincre, Gorik. Nous sommes tous là. Tout le monde a compris le plan? Si on peut appeler ça un plan. Oui, tout est clair. Les éthers la m'attaquent, nous les repoussons, puis nous prenons Anka vivante et récupérons l'extracteur. Sans être expert, nos chances de réussite ne seraient pas meilleures avec... comment disent les vétérans? Plus de détails? Oui. La ferme, Kanak. Je suis sérieux, hein, cette bonne humeur, c'est contagieux. Ouais, ça va être problématique. Là, des éterlames approchent. Deux groupes vous contournent. Mes Kestrels sont presque en position. Vous avez amené des renforts? Ce ne sont pas des renforts. Ils étaient prévus depuis le départ. Bonjour. Au revoir! Survivre à l'embuscade éternelle. Première vague. Oui. Abandonnez cet aéronef aux éternelles et vous aurez la vie sauve. Où est Anka? Elle n'a pas assez de cran pour nous affronter en personne? Hé! Hey,
Je ne laisserai personne parler comme ça impunément de la capitaine. Elle n'est pas capitaine. Elle n'est qu'une vulgaire voleuse. Elle ne vaut pas mieux que vous. Vous ne comptez pas vous rendre alors ? On va s'amuser. On est 6 fois plus nombreux. Attendez un peu. Tout le monde est en position ? Hey, regardez ça. 6 contre 1. Ouh, les 2 aéronefs détruits. Tranquille. D'accord. Je peux vous dire où se trouve Anka, mais je veux une compensation en échange. C'est le moment de prendre la bonne décision et de nous dire où elle est. D'accord. Elle est... Capitaine, non! Il n'a rien dit! Je l'ai... Mon sang. Où est-elle? Elle peut continuer à nous envoyer ses sbires morts-vivants de n'importe où dans la décharge. Ils sont partout! Fuyez tous! Répondez! Kestrel, repliez-vous! Où que vous soyez, battez en retraite! Mais non, elle fait des morts vivants, finalement. Ah, je crois que... Non, elle avait déjà fait, en fait. Hein. Dans l'usine, la dernière fois, il y avait des morts vivants aussi. Comme je disais... Si on reste ici, on combattra ces cadavres jusqu'à en devenir nous-mêmes. Une minute. Si Anka a bien apporté l'extracteur, je devrais pouvoir le détecter. Des ruines. Et voilà, la signature énergétique d'Oren. Elle apparaît juste au centre de la décharge. Allons-y. Saïda, Kanak, vous devriez partir tant que vous le pouvez. Je pourrais prétendre qu'il n'en est pas question, mais je vous respecte trop pour ça. À très bientôt, commandant. Au revoir, Kanak. Où dénichez-vous des gens pareils? En prison, en général. Bon, je continue à nettoyer. Bonjour Anka. La vraie question, c'est comment on va là. Anka, je dois vous demander de rappeler cet aéronef, commandant. Vous et moi savons bien que ça n'arrivera pas. Je pourrais vous tuer, vous ressusciter et vous forcer à le rappeler. Non, vous avez déjà connu la mort. Gorik, alors, ça te plaira. C'est comme brancher une électrode sur un cafard mort pour agiter ses nerfs. Vous ne nous faites pas peur. Voilà pourquoi les gens simples vous aiment tant. Il en faut plus qu'une apocalypse inévitable pour vous faire paniquer. Bonjour Anka. La science offre toujours une solution. Pourquoi les boss sont en... Il ne faut surtout pas se laisser toucher par ces choses. Pourquoi à chaque fois que les boss sont là, ils ont tendance à grandir? Bonne question, non, pas c'est un hallucinogène. Il faut y résister. Vous connaissez le pire? Vous croyez vraiment que ce sera une victoire d'arrêter tout ça? Mettre un terme au cycle des dragons sauvera d'innombrables vies. Vous y avez mis un terme. Félicitations. Maintenant, vous allez en supporter les conséquences. Le vide remplit littéralement le vide que vous avez créé. Si on parvient à arrêter sa corruption, on pourra... Par l'alchimie, vous ne comprenez pas. Chacun de vos changements mène sur vous. Vous n'avez jamais empêché l'apocalypse. Vous n'avez fait que les changer. Et maintenant, il est temps de régler l'addition. Le vide qui remplit le vide. C'est assez... particulier quand même comme phrase. Poursuivre encore. Mais arrête de viser, non mais eux. Elle invoque plus de renforts. Surveillez tous vos arrières. Ok. On jouait ça, en tout cas moi je vais clairement faire celui-là. Voilà. Allez.
On continue. Je dois être franche, Gorik. Je pensais que tu gérerais ça mieux. Tu m'as enlevé. Tu as tenté de nous tuer. Tu t'es servi de notre relation pour me trahir. Désolé que tu vois les choses ainsi. Je pensais que tu comprendrais mes actes mieux que personne. Anka, pour la première fois de ma vie, je comprends parfaitement ce que tu fais. Ok. Dernière phase, je suppose. Bien. Dans ce cas, tu ne m'en voudras pas. Qu'est-ce que... C'est la magie du vide. Quelque chose ne va pas? Vous croyez pouvoir l'arrêter, non? Alors ça ne devrait pas vous poser de problème. Bientôt, le monde entier ressemblera à ça. Croyez-moi, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Alors déposez les armes et aidez-nous. Ça y est? Vous comprenez? Après une liche tyrannique, un dieu démon et 5 dragons ancestraux, il ne reste plus que le vide. Un vide ayant sa raison d'être. C'est une apocalypse comme je les aime. Je suis presque invincible. Je ferai plus de magie du vide à partir du Jade. Et s'en sert pour créer de nouvelles créatures. Concentrez-vous sur elle. Oui, mais ça, t'inquiète, avant je crois que je le sais. Bah c'est bon. Petit pourcent. Il y a de nouveaux tentacules. Je sais, merci. Bah évite-les. Je t'ai déjà vaincu. Petit pourcent. Allez, on arrive à la fin. Pourquoi ne pouvez-vous pas profiter de la fin? Commandant, ce passage. Ça? Je pose, poursuivre encore. Bon, ça. Non, là je vais à l'extérieur, c'est pas ça. Ah là. Ça doit être par là qu'elle a caché l'extracteur. Vous, Lankest, June, pourquoi tout le monde se prend-il pour Dieu? Tout le monde échoue. À chaque fois, acceptez la fin que vous avez méritée et laissez le monde redémarrer. Vous n'êtes pas drôle. Avec Gorik, on s'amusait. Maîtrine, qu'est-il arrivé au vôtre? On ne répare rien sans prendre de risques. Il faut tout brûler pour mieux reconstruire parmi les cendres. Par l'alchimie, tout ce que je voulais, c'était un peu de stimulation. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu crèves. Au revoir. Merci.
Anka. Désolé, je réfléchissais. Je pensais me sentir mieux. Une fois que... Enfin, quand justice aurait été rendue. C'est... Quand un proche nous a fait du mal, la plaie ne se referme pas. La seule issue, c'est d'aller de l'avant. Je crois que... J'en ai assez de ressentir ça. Oui. Dites, l'extracteur ? Bon. Connaissant Anka, elle devait avoir un plan de secours. On dirait qu'elle a programmé une surchauffe sans le bon scan biométrique. Je devrais pouvoir la désactiver. Probablement. Gorik ? Récupérer l'extracteur. Il ne s'arrête pas. Il ne... Oh, éloignez-vous. Oh, mais j'aime bien immunité. Bon bah, on a perdu l'extracteur. Oh non. Tout le monde va bien ? Gorik, Jory. Ça va. Il fallait pourtant s'y attendre. Est-ce que... Il y a moyen de le réparer ? Je ne crois pas. Gorik ? Il faudrait savoir comment il fonctionne. Ça prendrait trop de temps. Une seule personne peut le réparer. Mais elle refusera. June... Et si nous lui prouvions qu'Anka était responsable de l'attaque ? Si nous lui apportions une preuve ? Eh bien, pour commencer, Anka est morte. Et en plus, votre preuve vient d'exploser. L'extracteur a explosé, mais nous n'avons pas besoin de tout le dispositif. Si son noyau est intact, il devrait encore contenir des résidus de magie d'Oren. Et nous pourrons présenter ça à la sécurité. Nos dénégations seront plus crédibles. Bien vu, Gorik. Alors, l'apprenti enquêteur devient enfin le maître ? Non. Très bien. Comme coéquipier, vous n'êtes pas si mal. J'ai pas mal. Bon, je peux chercher, s'il vous plaît. Partage. Les composants principaux de l'extracteur sont complètement irrécupérables. Espérons que quelque chose aura survécu. Anka... Ça devrait être une console, ok. Au moins, il y a quelques minuscules morceaux qui ont volé dans cette direction. Merci de me recevoir. Je ne voyais pas à qui d'autre m'adresse. Je ne suis pas encore habituée au métier de pirate. Ce n'est pas facile. Tu te débrouilles très bien, Anka. Détends-toi. Sens le souffle du vent. Goûte le sel de la mer. La piraterie, c'est la liberté. La liberté ? Oui, on va où on veut, on fait ce qu'on veut. Ni Dieu, ni maître. On mène quand même une vie dangereuse. On doit tous mourir un jour. Je partirai de manière flamboyante en croisant le fer avec un ennemi digne de moi, parole de vieux loup de mer. Capitaine. Repos, Rick. Tout est prêt pour notre voyage ? Oui. Bien. Et à qui ai-je l'honneur ? Membre d'équipage Anka, capitaine. Ah, de Thomas Nova, c'est ça ? Ravi de vous avoir à bord, Anka. On a de grands projets. Ça ne pourra pas faire de mal d'avoir une autre ingénieure de l'enquête à bord. Merci. Vous pouvez compter sur moi, capitaine. Ok. Le boîtier principal de la tourelle de l'extracteur. Cherchez le noyau à l'intérieur. Il y a un intérieur. Le noyau a dû se détacher lorsque la boîtier a heurté le mur. Le voilà. C'est ça. Nous... Oui, vous voyez ? C'est la signature magique d'Oren. Là ! Bien. Cette preuve me suffit. Allons la présenter à la sécurité. Je viens aussi. Je veux être là pour valider la preuve. Quand ce sera fait, nous irons voir June ensemble. Est-ce bien sage d'y aller ? Le ministre Lee pourrait interpréter la preuve différemment, pour qu'elle cadre avec son parti pris. Peu importe comment il l'interprétera. Nous avons des lois, nous les respectons. Lee devra l'accepter. Vous en semblez convaincu. Je parle d'expérience. Commandant,
Rendez-vous au quartier général de la sécurité. Entendu. Mais nous ferons ça lors du prochain épisode. Ciseaux, Pierre. Ah, ça se trouve, à un autre moment, on aura les autres, donc voilà, je prends Pierre. Quelle récompense. Voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Voilà, et maintenant j'ai donc une base opération à Pierre Arboraire. On va juste faire une chose, c'est déjà, on va sortir d'ici. Deuxième chose, nous allons aller nous TP à Pierre Arboraire et voir s'il y a un petit changement ou pas. Et sinon, pour la suite de l'histoire, il faudra se rendre à Neo Kainlang. Oui. Ah. Bon, une chose à la fois. On fera ça lors du prochain épisode. D'abord, vérifier Pierre Arboraire. Allez, mon lolo. Merci. Il y a quelque chose qui change ici. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus doré par rapport à tantôt, mais. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Est-ce que par hasard, je sais pas moi par exemple, dans le truc, si c'est plus doré qu'avant en fait. Mais bon, c'est peut-être un cycle. On va vérifier ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Niet. Ok. À part que j'ai l'impression que c'est plus doré, mais je ne sais pas si c'est spécifique parce que j'ai débloqué la compétence ou non. Je ne pense pas, ça m'étonnerait. Mais rien ne semble avoir changé à l'heure actuelle. Voilà. Allez, on se retrouvera la prochaine fois. J'espère en tout cas que cette fois-ci, ça vous aura plu. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!